laisser de parenthèse, aiguillerait pour que ça plaise. Deux ou trois pétales de rose pour égayer un peu la prose. Un nuage de savoir-faire, et ce n'est pas un grand mystère. Débouché à l'enclos de Chine, tous les mots que tu imagines. L'amour, la joie ou l'infortune ne compte jamais pour des prunes. Et alors, du bout de ta plume, te faudra bien décider. Et du marteau ou de l'enclume, aura l'honneur d'être cité. En noir et blanc sur du papier, paroles en l'air pour être chantées. Allons, l'ami, de toi d'agir. Le temps de sévir. Au feu pour au stylo à billes, essaie de te montrer habile. C'est toujours un drôle d'exercice, comme de bâtir un édifice. Au ciment des mots les plus durs, une chanson c'est comme un mur. Les gens disent que les artistes ne sont jamais que des fumistes. Décalé, taquiné, amusé, c'est un petit jeu qui les amuse. Chacun a sa façon de faire, mais l'important c'est la manière. Écrire est plus qu'un beau métier, c'est même une raison d'exister. C'est facile, vous allez faire avec nous, on commence. Encore! Si tu fais partie de cela et que tu n'as pas bien compris que pour jouer à ce jeu-là, il faut bien plus qu'en avoir envie. Sans pas remettre sur l'ouvrage la mère des mots qui fait naufrage. Car même si l'on fait plein la tête, tu ne connais pas d'autres recettes. Tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, une chanson jamais fini. Le point final n'existe pas, c'est qu'une illusion, un faux pas. Si tu mords le fil de ton immeuble, mais tu as l'ennui ou la peur, tu verras, il y a plein de chemins, et ils viendront guider ta main. Tu verras, il y a plein de chemins, et ils viendront guider ta main.